Salut, c'est MegaDriver16, le retour de World War Z sur ma chaîne. C'est pour aujourd'hui le jeu auquel je n'avais pas retouché depuis un petit moment. Et entre temps d'ailleurs, il y a eu pas mal de mises à jour gratuites, je crois, qui sont intervenues. Donc, non merci pour le gold. La campagne... Choisir le compte, reconnexion. Bah alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ils nous font la campagne en coop? Hors ligne. Et donc, nous allons choisir. Tiens, qu'est-ce qu'on a au niveau des personnages? Il y a des nouveautés ou quoi? Ah, c'est que j'ai des points à dépenser. Ok. Les armes potentiellement aussi, l'apparence de nos protagonistes. Bon, c'est plutôt vers la partie. Alors attendez, hors ligne, on revient. Épisode 2, Jérusalem. I am all that is left of my team. I have no food, and I'm nearly out of water. The infected have found me and will soon overrun my annex. If anyone hears this, please respond. D'accord. Donc à Jérusalem, c'est l'épisode 2. On avait déjà fait une partie, je pense. Le membre d'un groupe de survivants a capté un appel de détresse émis par un homme lié à une super arme toute secrète. Ils se lancent alors dans un voyage qui va leur faire traverser la ville sainte et le désert de Judée pour arriver à un bunker pouvant détenir la clé de la survie de l'espèce humaine. Voilà pour le brief. Donc chirurgie cérébrale, on l'avait fait. À travers le désert, pas encore. Et support technique, j'avais dû le terminer, mais le faire moi-même, je ne pense pas l'avoir fait en vidéo, donc... La suite logique, il me semble, c'est à travers le désert. Une fois qu'on a récupéré, donc, dans la chirurgie cérébrale, le docteur est totalement coincé, il a désespérément besoin d'aide. Effectivement, le docteur Alexon l'avait récupéré. Maintenant, à travers le désert, ça va être un système de défense anti-aérienne automatique protège la base de Raham et la seule manière de s'en approcher... Et par voie terrestre, avec les hordes infectées qui grouillent dans le désert, la priorité est de trouver un abri. Ok. Donc, quel protagoniste je crois qu'on avait utilisé? Changer le favori. Personnage favori. Alors, Daniel, ah là oui, c'est qui ça? C'est lui, ben on va peut-être l'utiliser, ou alors on va peut-être prendre la fille. Dina, voilà, Dina ici présente, changer la classe, fantassin, bon, pourquoi pas. Quoique j'aimais bien, je crois, Suriner aussi, parce qu'ils avaient de quoi immobiliser, je crois, les hordes. Donc, bon, allez, ce coup-ci, on est prêt. La partie commence dans une seconde. Traverser la centrale et atteindre la route qui mène à la base. Ok. Donc, trouver un abri, c'est toujours la priorité. C'est ce qui nous indiquait le chargement. C'est parti. C'est vrai que le premier niveau dans Jérusalem, c'était de nuit. Et là, changement de décor, puisque on va dans le désert, c'est plus le milieu urbain. Et a priori, ça va être en plein jour. Donc, il va falloir que je réapprenne un petit peu, que je me réapproprie les commandes du jeu, parce que je ne me rappelle plus très bien. On va les redécouvrir ensemble. Allez, donc le chargement, je me rappelais pas que c'était aussi long. Quand ils veulent. This is it. Any close from those AA guns will tear me up.
want to scratch your paint job. Get inside the power plant. Take cover and wait for Phoenix to draw the locals away. Copy that, Alpha. Stay close. Pénétrer la centrale. Ok. Donc là, on a notre arme. On a les protagonistes. Et là, devant, il y a le docteur, non? C'est ça. Il a une petite arme, quand même, pour se défendre. Alors, avec ça, la gâchette gauche. Another day in fucking paradise. Get behind us, Doc. Okay. Ah ben voilà, tout de suite des infectés. Ah oui, il y en a d'autres qui arrivent là-haut, là. On va essayer de pas trop tirer sur nos coéquipiers. OC. Ok, pour recharger, c'est le A, facile. Là, on se baisse avec la touche B. La touche A, ça sert à rien. Ah si, ça change d'arme. Merde, il y a des infectés ici. Ça, c'est pour donner un coup de machette. Comme là, il faut aller là-haut. Là, il y a encore des infectés qui se baignent. Refugees, they were headed for the city. Whole caravans turned overnight. Et alors, où est mon arme paralysante là? Comment je fais pour m'en servir? Non, ça fait rien. Et la croix multidirectionnelle, c'est quoi ça? Ah non, ça c'est pour donner des ordres. Pistolet paralysant. Équipement plein. Et alors, comment je m'en sers de mon pistolet paralysant? Ah, j'ai l'impression que je tire avec là. Avec la gâchette haute. Alors attendez, est-ce que c'est ça? Ah voilà, c'est ça. Ils sont paralysés. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Vous n'avez pas de charge explosive pour ouvrir cette porte. Ouvrir. Oula, il y a du monde là. We've got Zeds in the plant. Pourquoi il se met toujours devant cet abruti? Copy. Defensive positions. How can I help? Get your ass inside and stay low. Okay, okay. Oh le bourrin. J'avais oublié qu'il y avait ce genre de zombies. Allez, je me soigne. Aïe, oh, arrêtez de me faire mal là. Putain, lui il explose comme une brute là. Commencer le combat, ça sera pour ici, mais d'abord on va voir comment on peut se recharger. Pistolet paralysant. Ok, qu'est-ce qu'on a trop d'autre comme arme là? Merde, j'en veux pas de cette arme. Ça c'est quoi? Vous avez déjà une trousse de secours. Ok, commencer le combat avec la horde, c'est ici. Elle débarque d'où? Ah tiens, une petite tronçonneuse. Mortier. Kit de défense. On va le mettre où?
power, Doc? Those turbines will act like a giant blender. Do it! Now! I'm on it. Allez, du paralysant un petit peu. Oh non, la brute! La brute qui me fait mal, là. Lâche-moi! Et c'est quand il veut qu'il me lâche, là. Oh putain, le con. Greenwood l'a attaqué. Merde. Là, on sait... Ah oui, tout le monde est mort. Ok. Alors ça, c'est moche, hein. Ça, c'est très moche pour une reprise. Et c'est vrai que j'ai pas réussi à utiliser mon kit de mortier alors que je voyais là la manière de l'utiliser, c'était avec les flèches multidirectionnelles vers le bas. Oh, ça fait mal, ça fait mal. Alors, on se retrouve au même niveau. Ici, on peut mettre, déployer un grillage électrique qui va pouvoir leur faire mal. On peut changer l'arme principale. On peut utiliser du mortier. Faire le plein de munitions, cela va nous faire du bien. Équipement plein, trousse de secours, on en a déjà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, mais ils vont me laisser me lâcher la grappe, là. Oh là, oh là, oh là. Ben oui, mais il est où ce con de Greenwood là? Ah merde, lui. Lui, il me fait mal, lui. Allez, un petit peu de hache, de machette. Et le truc électrifié là, ah voilà. Merde. It's time to get in. Défendre. Ah non, 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 qu'est-ce que je fais? Vite, prends ta trousse de secours. Allez, je demande de l'aide là. Ils peuvent Greenwood attaquer. Ils peuvent pas venir m'aider les gars là. Il faut qu'il y en ait un qui vienne m'aider là. Daniel ou Jude, qu'est-ce qu'ils foutent? Allez, ta trousse de soins. Mais qu'elle est lente à prendre sa trousse de soins. Merde, et je ne peux pas sauter. Faire le plein des armes là. Oh là là, la horde, elle est toujours là, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on a là? Alors comment on l'utilise? Ah voilà. Kit de mortier. Comment on l'utilise? Greenwood est attaqué, mais on le sait que Greenwood est attaqué. Allez, un petit truc paralysant. Cours ma belle, cours, cours, cours. T'es en train de te faire défoncer là.
Allez, un coup de machette. Phoenix, you there? Mortier de défense. Copy that. Base is 5 kilometers from our position. Comment on l'utilise? SRO on the other side of the power plant. Vehicles. Yeah, that's right. Beats walking. Ok. Bon, c'était très chaud cette histoire. Ah voilà, c'est là-bas qu'il fallait le mettre. Le mortier de défense. Mortar's good. Trouver la salle de turbine. Ok, là on change l'arme principale. Est-ce que je peux pas avoir du paralysant, s'il vous plaît? On s'en est sorti de cette horde, mais c'était chaud. Ah, est-ce qu'ici il n'y aurait pas des recharges de paralysant? Quoi, il y a encore des ennemis? Ici, non, on peut pas entrer, tiens, c'est bizarre. Faire le plein de munitions, je prends. Faire le point de trousse de secours, je prends. Allez, d'ailleurs, il faut qu'elle... faut qu'elle en utilise une, hein. Oh, mais qu'est-ce qu'ils nous font chier, celle-là? Ah ouais, d'accord. Je voulais du pistolet paralysant, mais j'en trouve pas. Ah mais c'est un ami, j'ai cru que c'était le gros zombie lui. Ah bah c'est qui lui, d'accord. Ok, mais là je suis perdu là. Bon alors, moi j'ai plus de trousse de secours, le paralysant, voilà. Équipement plein, là j'en ai plus, trousse de secours non, faire le plein de munitions. Mais on a perdu un gars là ou quoi? 1, 2. Ah, il nous en manque un, j'ai l'impression. Bon, allez. On y va. We can cross over through that building. Trouver un moyen de traverser la salle des turbines. Stay behind us. Building needs pest control. Qu'est-ce que c'est ça? Munitions au max. Alors attention, est-ce qu'il y a des ennemis ici? Let's roll. Ah oui. On n'a plus de... On n'a plus de silencieux. Là, il y en a d'autres, là. Ce sera toujours ça en moins. Oh non! Big door straight across the hall. Oh putain! Le nombre de zombies qu'il y a là-dedans. Alors, ici, on peut certainement pas passer. Donc c'est bien par là qu'on va y aller. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Non, on ne peut pas interagir avec ce truc. Là-haut, non, il n'y a rien. Atteindre tout au bout, d'accord. Donc là, ça va être chaud. À moins qu'il ne nous détecte pas, mais bon. Ça, j'ai un vieux doute. On va peut-être y aller en mode discrétion. Qu'est-ce que c'est ça? Équipement plein. Ah, il faut descendre. Là, ça fait pas trop de bruit, ça, normalement. Oh putain, il y en a un là.
derrière sa canarde. Faut monter, on va y aller tranquillement. Ils sont où les poteaux? Where's the damn door switch? Panel, right up there. Merde, il faut remonter. Bon, fini la discrétion, on vient de se faire repérer. Hein. Qu'est-ce que c'est ce truc? Exit's clear. Moving out. Ah ouais. Sauf que là. Sauf que là, ça va être chaud. Il y a du monde, hein, je crois. Oh merde, il y a une grosse brute en plus qui est avec nous là. Dégommez-moi cet infecté. Ok, atteindre la station, mais je rêve, lui. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah, tiens. Oh, ça, c'est les zombies suicidaires, là. Je me demande si c'est une bonne idée d'y aller à la machette, mais bon. Atteindre la station service. Allez, on y va. Down there, we've got to jump this fence. I'm sorry, I can't make that jump. Find another way down there. Merde, il peut pas sauter. Allez, plein de munitions. En attendant, nous on change d'arme de pitre limite. Pistolet mitrailleur, ce sera mieux. Donc lui, il peut pas sauter. Par où il faut? Il faudrait qu'on passe par où? Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu quelque chose? Swarms are gone. Turbines ground them up. Ouais, ok. Lui, il nous fera plus chier. Bon, les copains là, vous êtes bons? Allez, on amène le docteur. Ah, ça va nous tomber dessus, là, forcément. Atteindre, et à mon avis, là, ça va chier. Il peut sauter, là, ou pas? Et nous, d'ailleurs, on peut sauter ou on va se faire mal? Ah, ça fait pas du bien, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est bon, là, le vieux docteur, il est arrivé à sauter, c'est bon. Soyons vigilants. There's a tunnel through the rocks ahead. Allez, où cette station-service? Ah, un petit canyon là. Oh là là. Oh là là, là on va changer d'arme. En voilà un en moins. You should be. Ah, pas besoin de recharger, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en avait qui étaient derrière nous. Oh là. Alors là, j'ai bien peur qu'ici il se passe quelque chose. Bon, ça fait toujours peur. Dans ce genre de jeu, c'est fait pour. My God, these bodies. This was a massacre. Don't look at them. Just keep moving. The barricade. Drop it on the fence. Nice piece of gear.
comment on fait utiliser... Ah voilà. La tronçonneuse. Donc là, ça veut dire commencer le combat. Allez. Nous, on y va à la tronçonneuse. Hein. Il faut aller où maintenant? Éliminer. Oh non, mais je rêve. Allez, viens me soigner. Faut qu'il y en ait un qui vienne me soigner, là. Il se dépêche. Putain, je suis tombé sur une mine, là. Allez, prends ta trousse de soins. Oh, la tronçonneuse, comme c'est chaud. Allez, comment je fais pour les soigner? Mais merde! Oh non, qu'est-ce qui se passe? Défaite. Green Gold est mort. Alors ça, c'est l'abus. There's a tunnel through the rocks ahead. Swapping in the pick gun. My God, these bodies. This was a massacre. You get used to it. The barricade. Drop it on the fence. Drop the damn barricade. Hold up! I see your mines. That's right, bitch. Here they come. Going with the heavy. Thank you.
Watch your fire! I see a gas mask! More coming in! Reload! Eat shit! Watch your goddamn shot! Well exterminated. Never seen one that big. We've got to get out of here. Doc, we kill, you find car. Got it? I think I can get this man running. How long? Battery's dead. No fuel, the basics. Find those parts or we're dead. Yours. Got it. Got something. Hold on. All yours. Oh, I'm reloading! What's that? Hey, watch your fucking aim! I see a fool! Whoa, friendly fire! Eat shit! Damn parts. Now. Oh, snakes. Hold on. Good as swapping out. Drop the gas bag. We need those car parts, people. I got parts! Running back now. All yours. Got it. I got it running! Let everybody get in! Get to the van! Come on, come on! Go, go, go! I'm going! You're too slow! You wanna get out and fucking push? All of you just shut up for a second! I think we're losing them. Phoenix, I think we made it. Heading to the base. Be ready.
Et après avoir eu ce bug de micro qui m'a empêché de pouvoir vous faire partager le commentaire audio sur cette fin de mission, on se retrouve sur la fin donc de ce chapitre 2 à Jérusalem, après avoir traversé victorieusement mais non sans difficulté ce désert, avec Dina Mizrahi, entre autres, c'était le personnage qu'on contrôlait, dont on peut voir ici la petite bio. Il faut savoir sur elle que le père de Dina était architecte et elle-même avait l'intention de rejoindre la société familiale. Quand la grande panique a éclaté, elle faisait son service militaire dans les forces de défense israéliennes. On eut alors bien plus besoin de combattants que d'architectes. C'est parti pour sa petite vidéo sur sa bio. My earliest memory is war. It was a conflict so complex that it could never be resolved. But this war isn't complicated. Death is still heartbreak. But a kill is a kill. Et voilà, une bien triste histoire pour Dina, que l'on va retrouver sur le troisième et dernier chapitre à Jérusalem. Ce sera pour ma prochaine vidéo sur World War Z. À plus tard.